L'Institut de physique du globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les trois services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. L'équipe de dynamique des fluides géologiques s'intéresse à déterminer les causes et les conséquences des mouvements qui agitent l'intérieur de la Terre et les différents types de systèmes qui sont actifs à l'intérieur de la Terre. Notre discipline en fait est née et relativement récente pour une raison très simple, c'est qu'on n'a vu la Terre bouger que depuis très peu de temps. En effet, la Terre bouge très lentement et donc on savait qu'elle bougeait puisque on avait les roches par exemple sont témoins de déformations. Il suffit d'aller dans les Alpes par exemple pour voir des roches qui sont plissées, donc c'est bien qu'il y ait eu des déformations, mais on n'était pas capable de mesurer la vitesse à laquelle ces roches se déformaient, ni même avoir mieux que quelques observations extrêmement lacunaires, un plissement ici, un chevauchement là. Donc c'est la tectonique des plaques qui a révolutionné notre discipline. La dynamique des fluides géologiques, c'est un domaine très vaste qui recouvre tous les écoulements des différents fluides qu'on trouve à l'intérieur de la Terre et à la surface de la Terre. Dans notre équipe, on étudie quatre grands domaines, quatre types de fluides, on peut dire, en profondeur. C'est le noyau terrestre, c'est le centre de la Terre. Là, c'est le fer liquide. C'est un fluide peu visqueux, un peu comme l'eau, mais très très chaud bien sûr, parce que c'est le fer fondu. Ensuite, il y a un groupe qui étudie la dynamique du manteau terrestre. Ça, c'est le premier 3000 km de la Terre. Et là, c'est des roches, mais ces roches-là se comportent en fluide sur des échelles de temps très très longues, c'est-à-dire 10 millions à 100 millions d'années. Et donc, on peut comprendre l'écoulement de ces roches en utilisant la même physique, la même théorie de mécanique des fluides. Ensuite, on rencontre les profondeurs où les volcans se créent, c'est-à-dire où les roches subissent une fusion partielle pour créer des magmas. Et là, il y a un groupe chez nous qui s'intéresse au mouvement de ce magma dans le manteau terrestre et ensuite comment ces magmas se collectionnent pour former les chambres magmatiques et ensuite comment ces magmas arrivent à la surface pour créer des éruptions volcaniques. Donc tout ça, c'est le troisième domaine de volcanologie physique de notre équipe. Et ensuite, en montant maintenant jusqu'à la surface, on retrouve le champ du groupe de géomorphologie. Ce sont les gens qui s'intéressent aux formations des paysages, à l'érosion, bref, l'interaction de l'eau avec la surface de la Terre. Ce qui est le thème unificateur, c'est de faire une physique suffisamment complète pour qu'on puisse d'une part partir d'observations de surface pour remonter aux causes profondes, puisque à l'heure actuelle nous ne sommes pas capables de bien regarder l'intérieur de la Terre, et donc les observations que nous avons sont des observations parcellaires et qui sont faites essentiellement de la surface. Donc on voit les conséquences de mouvements profonds, mais on ne voit pas directement les mouvements profonds. Donc il faut partir de ce qu'on est capable d'observer pour remonter au mécanisme qui en est à l'origine et qui souvent se trouve en profondeur. Je m'intéresse à la dynamique de la couche la plus profonde de la Terre. Donc au LDFG, le laboratoire de dynamique des fluides géologiques, on s'intéresse un petit peu à la dynamique de toutes les couches de la Terre. Donc je dirais que je suis le représentant de la couche la plus profonde. Donc sur cette couche, en partant du centre, on a déjà une boule solide principalement constituée de fer, la graine qui fait 1200 km de rayon, puis une partie de fer liquide qui s'appelle le noyau qui fait 3400 km de rayon. Le noyau, il a cette structure un petit peu compliquée en deux couches, parce que les effets de la pression et de la température se combattent à l'intérieur du noyau. On est aussi bien à une très haute pression qu'à une très haute température. Plus vous chauffez, plus vous allez avoir un liquide.
Mais par contre, plus vous comprimez, plus vous allez avoir un solide. Et la graine, bah, c'est l'endroit tout simplement où les effets de la pression l'emportent sur les effets de la température. C'est une partie à la dynamique très intéressante et qu'en plus on a un signal qui nous provient de cette couche qui est le signal magnétique, le champ magnétique de la Terre qui est créé dans cette couche par les mouvements de convection. Alors qu'est-ce que sont les mouvements de convection? C'est simplement le fait que la Terre est chaude. Lorsqu'elle s'est formée, elle a accumulé énormément d'énergie par accrétion de la matière qu'il y avait un peu partout dans le cosmos. Et cette énergie a chauffé la Terre, et depuis sa création il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre se refroidit. Et sa façon la plus efficace de se refroidir, d'emmener la chaleur du centre vers l'espace, c'est par convection, convection qu'il y a dans le noyau, convection qu'il y a dans le manteau. Et la convection, c'est simplement un mouvement de matière chaude de l'intérieur vers l'extérieur et un mouvement de matière froide de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait des rouleaux, ça échange, et la chaleur s'en va continuellement à travers ce mouvement-là. Alors dans le noyau, la convection, elle a une particularité, c'est qu'elle s'organise sous la forme de gros rouleaux que j'ai symbolisés un petit peu en bleu sur cette animation, de rouleaux qui tournent mais en restant alignés avec l'axe de rotation de la Terre qui est cet axe vertical. Et c'est ainsi que la Terre entretient son champ magnétique qui en particulier nous protège des rayons cosmiques ou nous protège de tout ce qui peut venir du Soleil, les particules de haute énergie, et qui donc est une composante assez importante de la préservation de la vie sur la Terre. Ces observations, en conjonction avec les modèles numériques, en conjonction aussi avec les observations du paléomagnétisme beaucoup plus loin dans le passé, qui nous permettent de nous servir du signal magnétique pour retracer l'évolution de la Terre à travers l'évolution de sa couche la plus profonde et en relation avec les couches supérieures. Terre, c'est une planète active. Elle cherche à évacuer la chaleur qu'elle a accumulée lors de sa formation. L'essentiel de ces transports de chaleur se fait par remontée de matériel chaud. Donc c'est les mouvements de convection dans le manteau terrestre. C'est quelque chose de solide qui bouge. Alors nous, c'est ce qu'on appelle un fluide visqueux. Ça se passe entre le noyau externe et la surface de la Terre, pour éventuellement aboutir à la formation de champs magmatiques sous la croûte terrestre. Alors pourquoi on s'intéresse à cette dernière étape de propagation du magma? Et bien parce que c'est elle qui va conduire le magma piégé en profondeur à la surface et provoquer les éruptions. Donc on a en tête différents types d'éruptions, hein, les éruptions explosives et l'éruption qu'on dit effusive. Le transport de ce magma se fait dans les deux cas par fracturation hydraulique. Donc, dans les deux cas, le magma est transporté au travers de dikes. Et la différence observée en surface est liée à la composition du magma, pas au mode de transport. Dans un cas, on a un magma qui va être riche en gaz, ce qui va produire en surface des éruptions explosives. Dans l'autre cas, on va avoir un magma qui est beaucoup plus pauvre en gaz, qui est aussi moins visqueux, qui a une composition différente et qui va donner en surface des fontaines de lave et des coulées de lave. Ce matériel chaud qui est transporté donc de la base du manteau jusqu'à la surface peut être modélisé de différentes façons. Il y a différentes approches. Il y a des approches analogiques, donc avec des expériences qui essaient de reproduire ces mouvements de convection. Donc on chauffe le bas d'une cuve, on refroidit le haut et ça va induire des mouvements. Toujours le même principe, pour équilibrer les températures, on veut, le système cherche à atteindre un état stationnaire, un état d'équilibre. Et ça, c'est la recherche de cet état qui va induire les mouvements. On peut aussi regarder ça de façon numérique, où là, ça va nous permettre de regarder d'autres phénomènes. Donc c'est vraiment deux approches complémentaires. Alors les validations qu'on a, c'est les comparaisons avec les données enregistrées sur les volcans, qui sont enregistrées par les observatoires volcanologiques, qui sont de plusieurs types. Ce qui est le plus pertinent pour nous, ça va être les mesures de déformation et les mesures de sismicité, qui vont nous permettre de localiser le dike en profondeur, d'avoir une idée de sa géométrie, de sa vitesse de remontée et de son mode de remontée. Ici,
en géomorphologie, qu'est-ce qu'on fait? On étudie les formes du relief terrestre et la dynamique d'évolution de la surface terrestre sous l'effet de l'érosion et du transport de sédiments et du dépôt. Et en particulier, nous, quelque chose qui nous intéresse beaucoup, c'est l'étude de la morphologie, ce qu'on appelle la morphologie fluviale et la dynamique fluviale. Pourquoi? Parce que, en termes d'érosion des reliefs, en moyenne, tout ce qui arrive aux océans arrive par l'intermédiaire d'un fleuve ou d'une rivière. Donc les fleuves et les rivières sont quand même le transporteur ultra-majoritaire des sédiments in fine, depuis les reliefs sources jusqu'aux océans ou aux bassins sédimentaires intracontinentaux. Ça peut être très varié. Ce qui est intéressant dans une rivière, c'est que vous avez un écoulement qui met en mouvement des grains. En mettant en mouvement les grains, il change la forme du chenal. Et en changeant la forme du chenal, il y a une rétroaction avec l'écoulement. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une rivière comme ça, quand si vous la faites couler sur un chenal droit, elle va rester stable ou pas? Donc ça a des implications en termes de génie civil. C'est-à-dire, si vous voulez construire un pont, il faut savoir donc quelle est la vitesse de divagation de la rivière, si elle est stable, pas stable, comment est-ce qu'elle bouge. Et en termes de transport de matière, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de savoir, ou en tout cas d'aborder des questions du genre, combien de temps, si je mets un grain là, au bout de combien de temps en moyenne, il va se retrouver à la sortie? Pourquoi est-ce que donc cette rivière fait des tresses? Est-ce que je pourrais lui faire des mandres et sous quelles conditions? Et puis après, il y a plein d'applications, on va dire, sociétales, du fait que c'est des rivières et que c'est des rivières dites alluviales, donc qui coulent sur des sédiments, et que les trois quarts des rivières sur lesquelles se trouvent les grandes villes ou les communautés urbaines, etc., sont des rivières alluviales pour la navigation, pour les problèmes de transport, pour les problèmes d'alimentation en eau, etc., pour les problèmes de crue, qui est quand même le premier risque en France. C'est important de savoir quelle est la dynamique d'évolution d'une morphologie. Le système le plus proche que tu peux trouver sur ça en France à l'heure actuelle, de rivière complètement naturelle et vraiment en tresse, ça s'appelle le torrent de Saint-Pierre auprès de Madame Carl. C'est en dessous de la barre des Écrins, qui est, je dirais, presque l'exact équivalent de cette manip. Tu as deux glaciers, un qui fait le glacier qui fait l'eau, parce que c'est un glacier blanc, il n'y a pas de sédiments. Un qui fait l'arrivée de sédiments, qui s'appelle le glacier noir, c'est dans les Écrins. Il apporte plein de sédiments, ils confluent tous les deux. Dans un système qui est bordé par des falaises et bouché en sortie par un méga glissement de terrain. Ce système-là, je veux dire, c'est le même principe que ce que tu vois là. C'est un modèle qui n'est pas totalement turbulent, qui est vraiment miniaturisé. Donc ce qu'on montre, c'est qu'on ne peut pas extrapoler directement ce qu'on va trouver d'ici à la nature. Par contre, on peut montrer, ça c'est fait, que la physique qui est là-dedans et les lois générales qu'on trouve sont par contre valables à grande échelle. Donc c'est vraiment pour nous quelque chose qui est plus en amont, ça veut dire que ça nous permet d'étudier les processus d'instabilité, pourquoi on fait des tresses, processus de transport, quel est le flux de matière qui s'écoule, quelle est la loi de transport ou la dynamique du transport des sédiments en fonction d'un flux d'eau et en fonction d'une dynamique alluviale, en fonction d'une distribution de sédiments. Et ça, ces choses-là, on sait qu'une fois qu'on aura compris là-dedans, on pourra s'en servir pour étudier une rivière naturelle, mais ça ne nous empêchera jamais de faire des mesures in situ dans la rivière naturelle pour avoir les bons coefficients. On est amené à finalement, nous sommes assis sur une planète de très très grande dimension et on ne peut faire qu'avec ce qu'on est capable de voir depuis la surface, c'est-à-dire depuis souvent des endroits extrêmement reculés du phénomène qui est la cause des signaux observés. Donc, on a besoin de toute l'information possible. C'est pour ça que nous collaborons avec beaucoup d'équipes. Nous travaillons par exemple beaucoup avec les géochimistes, puisque la chimie nous donne d'une part les dates des événements, et puis d'autre part, la chimie retrace les grands déplacements à l'intérieur de la Terre, puisque par le biais des changements de composition chimique. La Terre, c'est une espèce de réacteur chimique avec des échanges de matière entre différentes unités. Ces changements de matière, ils sont retracés grâce à la chimie. Et ça, c'est une information, évidemment, qui me donne finalement l'ampleur des échanges entre les différentes unités terrestres. Les tremblements de terre nous donnent des renseignements sur les contraintes, les forces qui sont mises en jeu. Si la Terre cède à un endroit donné et crée une fracture qui va donner lieu à un tremblement de terre, et bien évidemment, c'est qu'il y a un régime qui est particulièrement instable dans cet endroit-là. Donc le tremblement de terre nous renseigne sur, non seulement sur le fait que c'est instable là, mais aussi sur l'ampleur des forces qui sont mises en jeu. Donc cette information-là, évidemment, est extrêmement utile pour comprendre comment le système évolue.